Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente ce petit pantalon, un pantalon naissance avec une ceinture donc en côte 1-1 très élastique, haute pour bien maintenir bébé. Et si il est trop long, trop grand au niveau du haut, vous pouvez plier, ça vous fait une ceinture. Ou plus bas, donc voilà, vous pliez comme vous le souhaitez. Au niveau des jambes, c'est pareil, des côtes 1-1 qui permet donc une élasticité, hein, toujours aussi élastique. Voilà. Donc, je mets ma main hein, quand même, hein. Donc c'est quand même très élastique. Et donc, si c'est trop grand, hop, on peut faire un petit pli. Comme ça, bébé peut profiter un petit peu plus de son pantalon. Donc voilà. Ce pantalon, je l'ai fait pour, parce que je suis en train de faire un ensemble. Donc vous avez déjà la brassière, donc tout au point mousse, hein, qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc c'est pour faire un petit ensemble, donc gris bleu pour petit garçon. J'aurais pu vous faire aussi bien du rose, mais là comme c'est pour un petit garçon, voilà. La brassière, vous l'avez sur la chaîne. Et ici, on va faire le tuto du pantalon. Donc le pantalon, c'est un pantalon, hop, c'est coupé naissance. Ce pantalon, donc, c'est du côte 1-1, du point mousse et des côtes 1-1, tout simplement. Les aiguilles, pour ce pantalon, j'ai besoin d'aiguilles. Hop. C'est rare que je tricote avec ces aiguilles-là, mais ça m'arrive. Aiguille 5 et hop, c'est marqué là. Hop, je sais pas si vous allez voir. Aiguille 4. 4 et du 5. De la laine qui se tricote en 3-4. Pour ma part, c'est de la laine baby, comme d'habitude. Donc, pour le pantalon, bah, j'ai pas tout utilisé, toute la pelote de laine. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est encore passée. Très peu, parce qu'au final, une pelote de laine grise et une pelote de laine bleue, il me semble, mais j'avais déjà une pelote d'entamée. Alors, je crois que c'est deux pelotes de laine bleue dont j'avais déjà une d'entamée. Donc, au final, je sais pas trop. Parce que moi, c'est vrai que je commence les tricots, mais je continue les pelotes que j'ai déjà d'entamées. Donc, je repars jamais avec des pelotes, en fait, entièrement vides. Du coup, la hauteur du pantalon. Donc, vous allez voir dans la vidéo. Hein, donc, de haut, donc le haut de la ceinture jusqu'en bas de la ceinture, au niveau du pied. Hein, je vous donne la longueur. Et une fois cousu, terminé, hop. Hop. Ça, c'est la couture. Bien. En largeur, une fois, j'ai 21 cm de largeur en haut de la ceinture. D'accord? Donc voilà. La largeur de la jambe. Hop. Donc en bas, je me retrouve avec. Hop. 9 cm. Si je m'étais bien plié, hein, ce serait bien. Hop. 9 cm. Hop. Je vais pas montrer.
9 cm de largeur de jambe une fois fini. Donc voilà, voilà, et 36 cm de hauteur du haut de la ceinture en bas. Donc si vous voulez faire moins grand, enfin moins long, soit vous diminuez la ceinture, si vous n'avez pas envie d'une grande ceinture comme j'ai faite, ou vous diminuez ici cette partie-là, vous en faites moins de rangs de points mousse, ou si vous trouvez que c'est pas encore assez grand, vous rajoutez. Enfin, voilà, vous l'accommodez comme bon vous semble. Moi, je vous présente de la façon que je l'ai faite. Et c'est tout. Voilà, voilà. Et je vous dis à tout de suite. Donc, on commence par monter. J'ai perdu ma feuille. Je crois que c'est 45 mailles avec l'aiguille numéro 5. Elle a dû voler. Elle atterrit par terre. Ça, c'est la 4. Non, c'est 4, parce qu'on commence par les côtes. Donc, je dis des bêtises. On commence par l'aiguille. Hop, elle est là. 4. Parce qu'on commence en haut pour finir en bas. D'accord? Il se fait en deux morceaux. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Donc, ce qu'on va faire ensemble, il faudra le tricoter deux fois. C'est exactement la même chose. OK? Donc, on commence par l'aiguille numéro 4. Et on attaque les côtes et on tricote, enfin on va monter 45 mailles de 45 mailles et on va commencer les côtes 1-1. Je vous dis à tout de suite. Pour le pantalon naissance, donc on monte 45 mailles. Donc première partie, on monte 45 mailles. Et on va donc en aiguille 4 et on va tricoter en côte 1-1 pendant 7 cm. Pour vous expliquer, hop, on commence par le haut. Donc là, on commence par les côtes du haut. Et on va finir par une jambe, puis la deuxième. Voilà. Et on va tricoter deux fois la même chose. C'est pour ça que j'ai mis partie 1. Donc moi, pour la naissance, j'ai fait en deux couleurs. Hop, que je me trompe pas de fil, c'est sûr. Donc je disais, pour le pantalon, donc on va tricoter 7 cm de côte 1-1. Donc première maille à l'endroit en aiguille 4. Deuxième maille à l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Zoom un peu, donc à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit,
à l'envers, endroit, envers, 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 et je termine par une maille à l'endroit. Ok. Je tourne mon travail. Ma première maille, c'est une maille lisière. Donc, je ne la tricote pas, je la glisse. Ici, il y a le V. Donc, c'est une maille endroit. Ici, vous voyez, il y a le bâton. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le bâton. C'est une maille envers. Le V à l'endroit. Le bâton à l'envers. À l'endroit. 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 À l'envers. Endroit, envers, 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 endroit. Je ne sais pas si j'étais encore dans le cadran. Donc j'ai dit envers. Non, alors endroit. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, et je termine par une maille à l'envers. Je tourne mon travail. Toujours première maille, je la fais glisser. Ici, j'ai un bâton, donc c'est une maille envers. Ici, j'ai levé à l'endroit, le bâton à l'envers. Levé à l'endroit, le bâton à l'envers. À l'endroit, le bâton à l'envers, levé à l'endroit, le bâton à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir 7 cm de hauteur. Une fois obtenu 7 cm de hauteur, on va passer aux aiguilles. Zoomer un peu trop vite aux aiguilles 5. Hop. Et on change de laine. Donc là, on a fait côte 1-1, 7 cm. C'est là. On va passer au point mousse avec l'aiguille numéro 5 et on va tricoter 23 cm de hauteur totale. Donc, du démarrage, il faudra obtenir 23 cm de hauteur totale. Alors, hop. J'ai pas de crochet à disposition. Tant pis, tant pis.
Hop. Et où là? Zap. Donc, ma première maille, comme je passe au point mousse et changement de couleur, du coup, je la tricote. Et ça va être que des mailles tricotées à l'endroit, vu qu'on est passé au point de mousse. Que des mailles à l'endroit. Donc, rien de bien compliqué. Donc, on a toujours nos 45 mailles. Et là, au lieu de les tricoter, on arrête les côtes 1-1 et on passe au point de mousse. Donc, tout à l'endroit. Avec l'aiguille numéro 5. Hop. Là, ce qu'on obtient à l'arrière. Oui, j'ai fait des bêtises, moi. Je suis partie en... Oh. Je suis repartie en côte 1-1. Voilà. J'étais en train de faire je sais pas quoi dans ma petite tête. Hop. Hop, c'est pas grave, on défait. Voilà. Quand on n'est pas concentré à ce qu'on fait, ben voilà. On pense à plein de choses en même temps et on fait des bêtises. Voilà, voilou. Hop. Donc, je reviens ici. Hop. Donc, je suis bien à l'endroit. À l'endroit. À l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Voilà, tout à l'endroit. Ne faites pas comme moi. Hein. Je sais pas où j'étais partie, vagabonder dans ma petite tête. Hop. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini le premier rang. Donc ça, c'est l'envers du travail. L'endroit, le point de démarrage est là. Là, c'est l'envers. Donc on est sur l'envers. Donc du coup, hop, on tricote toujours tout à l'endroit. Vu qu'on est sur du point mousse. Alors, avant d'arriver aux 23 cm, hein, le dernier rang qu'on va faire, ça sera sur l'envers du travail. À ce moment-là, vous m'attendez. Parce qu'on aura une petite séparation à faire entre les deux jambes et la diminution se fait sur l'envers du travail, sur l'envers du travail. Hop. Donc voilà, vous voyez le point mousse qui donne. Donc on continue à tricoter comme ça jusqu'à obtenir 23 cm de hauteur totale.
J'ai tout recommencé ce que j'ai fait un pantalon tout à l'heure d'une autre taille. Et j'ai tout mélangé. Donc j'étais obligée de tout défaire pour reprendre. Alors, c'est pas grave, on y est. Une fois qu'on a nos 23 cm, on se retrouve. Donc, on est au point mousse, aiguille 5, 23 cm. On y est. D'accord, hop. Je sais pas si vous voyez. J'ai vu qu'il baisse, c'est un peu flou. 23 cm. Une fois qu'on a ça, on va commencer à faire des augmentations. On va faire une, deux, trois augmentations. Pour cela, on va faire 21 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, 21 mailles. On obtient 47 mailles quand on tourne notre travail, on tricote tout à l'endroit. Ok? On va déjà faire ces deux-là. On est parti. Alors, je suis sur l'endroit de mon travail. J'ai ma laine de démarrage qui est là. D'accord? Hop. Zoup. Alors. Une maille glissée. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20 et 21. Ici, cette maille ici, on la tricote deux fois. Une première fois, on laisse la maille sur l'aiguille, on revient la piquer par l'arrière et on la tricote une deuxième fois. J'ai fait une augmentation. Je tricote une maille. Je refais une augmentation, donc je la tricote deux fois. Une première, je la laisse sur mon aiguille, je repasse à travers, je viens derrière et je la tricote une deuxième fois. J'ai fait mon augmentation, je tricote 21 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. OK? On tourne notre travail. Et là, on a 47 mailles tout à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt et une, vingt-deux, vingt-trois. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, hop là, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. On a bien nos 47 mailles. On va faire une deuxième augmentation.
La deuxième augmentation, c'est 22 mailles. Une augmentation, une maille, une augmentation, 22 mailles. On obtient 49 mailles. On tourne notre travail et on tricote tout à l'endroit. Alors, hop, on est parti. Une. J'ai dit 22 mailles. Une. Hop, deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Ok? Je tricote deux fois la même maille. Une fois, je repique et je la tricote une deuxième fois. Une maille et je refais une augmentation. Une première et une deuxième fois. J'ai fait ma deuxième augmentation. Et je tricote 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Ok, je tourne mon travail et là, j'ai 49 mailles que je tricote tout à l'endroit. Hop. Maille lisière. 2, 3, 4. Il m'embête ce fil. Alors j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Vingt et une, vingt-deux, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et une, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante et une, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit et quarante-neuf. On tourne notre travail. Notre fil de démarrage est ici, donc on est sur l'endroit du travail. Et on va faire notre dernière augmentation. 23 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, 23 mailles. Attention, parce que quand on va tourner notre travail, donc on aura 51 mailles, mais on va séparer notre travail en deux. Ça va se faire sur l'envers du travail. On va séparer les jambes. Alors, on va commencer par faire déjà l'augmentation. Donc, on a dit 23 mailles. Maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 et 23. Je tricote deux fois la même maille. Donc une première, je la laisse sur l'aiguille et je la tricote une deuxième fois. Je tricote une maille et je refais pareil, deux fois la même maille. Ok. Il m'embête. Hop. J'ai fait mon augmentation. Il me reste 23 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3. Hop. Zoup. Alors, c'est ici que j'ai mal compté. 2, 4, 6. Ah, je me suis trompée. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Ça tombe sur l'augmentation. Donc voilà. Hop. Décidément. Je ne fais que défaire ce pantalon. Vais-je le réussir? Hop. Alors, hop. C'est pas grave, on va défaire. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Donc, voilà. J'avais presque fini la jambe. Je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. J'ai tricoté un autre pantalon d'une autre taille et du coup, je suis restée bloquée sur l'autre taille. Donc, je le mélange des deux tailles pour faire. Ça ne le fait pas trop. Donc, j'ai pas arrêté de défaire pour refaire. Puis, après, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave, on persiste. Hein. Alors, d'autres augmentations, elle est où? Elle est là. Hop. Alors, je recompte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Donc, j'ai encore 3 mailles à défaire. Hop. 1 et 2. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 mailles. Voilà. Donc, je reprends. J'ai tricoté 23 mailles. Hop. Je vais réussir. 23 mailles. Je tricote, donc je fais mon augmentation. Je suis désolée. Hein. Tricote deux fois la même maille. Je tricote une maille. Je fais une deuxième augmentation. Deux fois la même maille. Et là, j'ai 23 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Allez, on y arrive.
Faites attention quand vous comptez, hein, l'erreur est vite arrivée, hein. La preuve. N'arrive pas qu'à vous de vous tromper, hein, moi aussi. Là, je voulais pas arrêter pour tout recommencer. Hein. Donc, voilà. Zoup. En même temps, je vous montre comment je défais mon tricot pour rattraper mes mailles. Enfin bref, j'ai 51 mailles. On va avancer. 51 mailles. Donc on a dit, là, on est sur l'endroit du travail. On tourne notre travail. Donc là, on est sur l'envers. Et l'envers, on a dit qu'on faisait une séparation. Donc on va faire 25 mailles. On va déjà commencer par là. Et on va essayer de compter correctement. Alors, on a dit 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. J'ai bien mes 25 mailles. Ces 25 mailles-là seront en attente. On n'y touchera plus. Je tricote une maille. Je tricote une deuxième maille et là, je prends la maille ici et je la fais glisser par-dessus. Et là, je sépare mon travail. Ok? Donc là, j'ai séparé les deux jambes. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Voilà, on tourne notre travail. Voilà où nous en sommes. Ok? Mon fil de démarrage est ici. Hop. On va essayer de ne pas tout mélanger. Voilà. Mon fil de démarrage est là. Maintenant, on va faire des diminutions sur les 25 mailles. C'est-à-dire que ces 25 mailles ici sont en attente. Cela, on travaillera après. Là, on va travailler ces 25-là. Et comment allons-nous travailler ces 25-là? Hop, allons droit, ça serait bien. Zoup. Là, on est comme ça. Hop. Celle-là, elle n'existe pas. On va travailler cette jambe-là. Est-ce que je suis en train de vous expliquer? Celle-là, on ne s'occupe pas, elle est là. Ça, c'est là. Ça sera pour après. On va faire celle-là. Et vous voyez, ça part de biais. Et ici, ça reste droit. Donc, les diminutions, c'est pour faire l'entrejambe. OK? Donc, on va faire
deux rangs. Alors moi j'ai marqué ça comme ça, hop. Premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'endroit. Pour le moment, on ne fait rien. Le troisième rang, on fait une diminution. D'accord? Donc pour le moment, on va faire deux rangs tout à l'endroit. 25 mailles. Hein. On ne fait qu'une partie. Hein. Travail est séparé en deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. OK? Ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. On tourne notre travail. Là, on a fait le rang 1. On fait le rang numéro 2. Donc, on tricote, c'est 25. Donc, moi, ça sera une maille lisière pour la première. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Le rang numéro 3. Ici, on a dit... Donc, on a dit 25. Ici, c'est moins 1. Donc, vingt-cinq, d'accord. Premier rang, deuxième rang. Troisième rang, on fait un rang de diminution. Donc, on va diminuer d'une maille. Et la maille qu'on diminue, c'est à l'intérieur. Donc, on va tricoter 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est sur l'endroit du travail. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Hop. Il me reste mes 3 mailles. OK? Je prends 2 mailles ensemble et je les tricote à l'endroit. Et je tricote la dernière. J'ai fait une diminution. OK? Je tourne mon travail. Le rang numéro 4, ça veut dire 24 mailles. OK? Il convient d'enlever une. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
Je tourne mon travail, je suis sur l'avant du travail. Puis le démarrage est là. Voilà. On a fait le rang numéro 4. On attaque le rang numéro 5. On fait une diminution. Et ben, on refait la même chose. Oh. On tricote et on garde 3 mailles à la fin. Pardon, décidément, je tousse plus, pratiquement plus, mais en même plat qui éternue maintenant. Et je vais-t-il réussir à m'en sortir? Alors, je commence comme ça, dit l'automne, n'est pas sorti. Hein. Alors, 3 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles que je tricote ensemble à l'endroit, ok, et une maille. Donc il me reste 23 mailles. Ça, c'est le rang numéro 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Ok? Dans notre travail, donc là on se retrouve à l'avant. On a fait le rang numéro 6, donc 23 mailles. Rang numéro 7, 23 mailles. Rang numéro 8, 23 mailles. Et le rang numéro 9, moins 1. Ok? Donc, rang numéro 7, on a dit 23 mailles. Donc, on touche rien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc ça, c'est le rang numéro 7. Je tourne mon travail. Le rang numéro 8. Donc on a dit rang numéro 8, 23 mailles. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Je tourne mon travail. Je me retrouve sur l'endroit du travail. Et on a dit le rang numéro 9, une diminution. Hop. On retricote et on garde 3 mailles à la fin du rang. À la fin de la jambe,
1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Je prends les deux mailles ensemble à l'endroit. Ok. Et je tricote la dernière maille à l'endroit. Donc, il me reste 22 mailles. Je tourne mon travail. On va faire le rang 10, 22 mailles, le rang 11, 22 mailles, le rang 12, 22 mailles. OK. Et le rang 13, on fait une diminution. Hop. Donc, on a dit rang 10. 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mailles. Je tourne mon travail, je suis sur l'endroit de mon travail. Je tricote 22 mailles, c'est le rang 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je tourne mon travail. On va faire le rang numéro 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je tourne mon travail. Je suis à l'endroit de mon travail. Le fil de démarrage est ici. Hop là, là. Le rang numéro 13, on a dit une diminution. On est là. Une diminution. Et le rang 14, 21 mailles. 15, 21 mailles. Et le rang numéro 16, 21 mailles. OK. Donc là, on va faire le rang 13. Une diminution. Donc, hop, on tricote jusqu'à laisser 3 mailles en bas. Hop. Deux, trois, hop, encore une. Ici, mes trois mailles, donc j'en fais deux. Ensemble, à l'endroit. Et la dernière, à l'endroit. Je tourne mon travail. Donc, le rang numéro 14. Le rang numéro 14, il me reste 21 mailles. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 et 21. OK? Je tourne mon travail. Une fois que j'ai fait le rang 14, le rang numéro 15, 21 mailles. Vingt et une. J'en ai pas perdu. Hop. Je tourne mon travail. Et le rang numéro 16. 21 mailles qu'on a dit à l'endroit. Donc 2, on touche à rien. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Hop là. Et je me retourne le travail. Mon fil de démarrage est là. On est sur l'endroit du travail et on attaque. Le rang numéro 17, moins 1. Rang 18, on va tricoter les 20 mailles. Le rang 19, les 20 mailles. Le rang 20, 20 mailles. OK? Alors là, on est au rang 17. On fait une diminution. Donc, n'oubliez pas de laisser 3 mailles à la fin des 21. Hop. Encore une. Une, deux. Deux mailles ensemble à l'endroit. OK? Et une maille. D'accord? Je tourne mon travail. Donc on a dit le rang 18, on tricote 20 mailles. Décidément. Alors, le rang 18, 20 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. OK? Tourne notre travail. Le rang 19, on a dit 20 mailles. Donc 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 et 20 mailles. Je tourne mon travail, donc je suis sur l'envers. Et on tricote 20 mailles, un rang tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. OK? Tourne notre travail.
Je suis sur l'endroit du travail. Mon fil de démarrage est ici. Hop. Et on va faire, donc on est arrivé ici, le rang 21. Hop. Et le rang 22, endroit et 19 mailles. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 18 ici. Hop. 19 mailles. On est d'accord. Donc on fait le rang 21, un rang diminution, donc moins 1. Et on fait le rang 22 avec les 19 mailles. Donc il nous reste 19 mailles. Ok. Allez, on fait ces deux rangs. Du coup, hop, donc je suis sur l'endroit du travail. Mon fil de démarrage est ici. Ok. Hop. Donc, n'oubliez pas de garder 3 mailles à la fin des 20 mailles pour faire la diminution. Deux, trois, une et deux. Donc ici, deux mailles ensemble à l'endroit. Ok. Et une maille toute seule. Je tourne mon travail. Et je tricote les 19 mailles. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Ok? Voilà, on en est là. Hop. Ce qui est pratique d'avoir la circulaire, c'est que quand on a besoin de mesurer, en fait, hop, j'essaye de le mettre droit, on peut écarter l'aiguille. Et plus facile pour prendre les mesures. Alors, hop, on est en haut. On va en bas et normalement, alors moi ça tombe pile poil perfectionne, hop, je sais pas si vous voyez, il faut que j'ai 32 cm de hauteur. Et ben j'ai 32 cm de hauteur. Ok. Si vous n'avez pas les 32 cm, vous continuez à tricoter jusqu'à obtenir 32 cm de hauteur. Ok? Maintenant, hop, il me faut tchoup 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 tchoup. Je coupe mon fil. Donc vous avez compris que hop. Pour cette partie-là, on a fini. Hop. Je reviendrai pour reprendre l'autre jambe. Parce que j'ai peur que certaines personnes soient un peu perdues. Donc du coup, je reviendrai faire l'autre jambe après. On récupère nos aiguilles. Numéro. Essayez de marquer. 4. Je ne sais pas si vous voyez. Donc,
Hop. Aiguille 4. Et on va faire les côtes 1-1. 36 cm. Donc là, on en a 32. Ça veut dire 4 cm de côte 1-1. Donc la hauteur totale doit faire la longueur du pantalon de la taille à la cheville, 36 cm. Une fois que vous avez les 36 cm, vous rabattez toutes les mailles. Hop. Du coup, hop. Je suis en train de chercher ma pelote de laine. Zoup, zoup, zoup. Hop, palapapam. J'ai vu que j'avais un crochet. Et bien sûr, ne me demandez pas où il est mon crochet. Par terre. Tellement évident en ce moment, tout se trouve par terre. Bon, c'est déjà pas mal, mon café est bien dans ma tasse. Si je regardais ce que je faisais, c'est quand même déjà plus facile. Hop. Je sais pas ce que j'ai, je fais tout tomber depuis un. Vers 3 semaines, je n'arrête pas. Je sais pas ce que j'ai. Tout ce que je touche atterrit par terre. C'est un truc de dingue. Pelote de laine, ça termine par terre. Les mètres, c'est par terre. Enfin, tout est par terre. Je sais pas ce que j'ai comme ça en ce moment. Hop. Alors, on est parti. Comme je change de fil. De couleur. Donc du coup, je tricote une maille à l'endroit. Et ici, comme je pars sur des côtes 1-1, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. 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 Une maille à l'envers. À l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et je termine par une maille à l'endroit. Je tourne mon travail. Hop. Soup, soup, soup. Hop. Je récupère mon fil. Et je reprends. Donc ici, j'ai le bâton, donc une maille à l'envers. Alors moi, c'est ma première maille, donc je ne la tricote pas. Ça sera une maille et lisière. Du coup, ici, j'ai levé, ça veut dire une maille à l'endroit. Le bâton, une maille à l'envers. Levé à l'endroit. Le bâton à l'envers. Levé à l'endroit, le bâton à l'envers. Levé à l'endroit, le bâton à l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Hop, je tourne mon travail. Et voilà ce que ça donne, les côtes 1-1 qui se forment. Donc, je vous laisse continuer à tricoter les côtes 1-1. Vous faites 36 cm de hauteur. Pourquoi ça change de couleur, là? Un peu jaune. Enfin, bref. 36 cm de hauteur, on se retrouve pour abattre les mailles. Et je reprendrai la deuxième jambe pour faire les diminutions. Ok? Je ne vous abandonne pas. À tout de suite. Donc, voilà. Une fois fini la jambe, voilà ce que ça donne. Ok? Donc,
nos diminutions, ça part bien comme ça, et la jambe, elle est droite ici. On reprend donc notre tricot où on l'a laissé, c'est-à-dire la pointe ici au milieu, d'accord? Et donc, on reprend à cet endroit-là, et on va reprendre la même chose qu'on a fait l'autre côté. Hop. Je vais vous expliquer ça. Hop. Zoup. Donc, là, c'est où on a séparé nos deux jambes. Donc, on reprend où on a séparé nos deux jambes. Et on va tricoter le rang 1 et le rang 2, 25 et 25 mailles. D'accord? Donc, hop, on est parti. Donc là, c'est ma maille lisière. Je vais la tricoter pour le premier rang. Je la tricoterai plus après. Donc, ça fait une maille. Deux mailles. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, on a bien nos 25 mailles. Donc, ça, c'est le rang 1. Je tourne mon travail. Hop. Le rang 1, mon fil de démarrage est ici. D'accord? On est sur l'endroit du travail. Je tourne mon travail. Là, on est sur l'envers du travail. Hop. Je tricote le rang comme il se présente. Hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. D'accord? On tourne notre travail. Donc on, là, on est sur l'avant du travail, fil de démarrage qui est là. On va faire une diminution. Donc, tout à l'heure, on faisait les diminutions à la fin du rang. Et là, pour avoir la diminution ici, donc on va faire la même chose que là, mais il faut que la jambe, elle part comme ça. Donc, on va faire les diminutions au démarrage du rang. Hop. Je prends mon fil. Première maille, donc moi c'est une maille lisière, donc je ne vais pas la tricoter, je la fais glisser, ok? Les deux mailles ici, hein, je les prends ensemble et je les tricote ensemble. Deux mailles ensemble, ok? Et je continue à tricoter le rang tout à l'endroit, vu qu'on est toujours sur du point mousse. Fois fini de mon rang, je tourne mon travail et je hop,
on a fait le rang 3. On va faire le rang 4, qui est les 24 mailles. Hop. Donc, une, voilà. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc j'ai bien 24 mailles. Ok ? Je tourne mon travail. Je me retrouve. Hop, fil de démarrage ici, à l'endroit. Je vais faire le rang numéro 6. 5, pardon. Le 5, c'est une diminution. Donc, comme tout à l'heure, une maille glissée. Ici, je fais deux mailles ensemble à l'endroit. Vous voyez? Et j'ai fait ma diminution. Je continue à tricoter toutes les mailles. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Je suis sur l'envers. Ici, le rang numéro 6, du coup, il nous reste 23 mailles. Le rang numéro 7, 23 mailles. Le rang numéro 8, 23 mailles. On va tricoter ces rangs ensemble. Hop. Donc là, je suis sur l'envers. Donc là, je suis au rang numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc j'ai bien mes 23 mailles. Je tourne mon travail, je suis sur l'endroit. On va faire le rang numéro 7. Donc on tricote les 23 mailles. Voilà, je tourne mon rang, mon tricot, je suis sur l'envers du tricot, j'ai perdu une maille, ta-la-la, ta-la-li, ta-la-la. Hop. Voilà. Je fais le rang numéro 8, donc tout à l'endroit. Donc j'ai toujours mes 23 mailles, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 et 23. Hop. Je tourne mon travail et on se retrouve. Donc je tourne mon travail et je me retrouve sur l'avant du travail. Donc ici, fil de démarrage. Nous allons tricoter le rang numéro 9, le rang numéro 9, une diminution. On va faire déjà ce rang-là. Hop, mon aiguille, elle est où? Donc, une maille lisière, deux mailles ensemble à l'endroit. Comme j'ai défait mon tricot parce que ça a coupé, j'ai été obligée de remonter toutes les mailles. Alors, j'ai fait ma diminution, on est d'accord? Et on tricote tout le rang à l'endroit. Une fois qu'on a tricoté le rang, on tourne notre travail. Hop. Voilà. Fil ici, téléphone. Hop. Tout est mélangé. Hop, 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 voilà. Donc là, on a fait le rang 9, la diminution. On attaque le rang 10, 22 mailles. Le rang 11, 22 mailles. Et le rang 12, 22 mailles. On est parti pour faire ces trois rangs. Donc le rang 10, 22 mailles. Donc une. Hop. Si je vois où je vais. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mailles. Ok, ça c'est le rang 10. On tourne notre travail. Donc là, on se retrouve sur le devant. On fait le rang numéro 11. Si j'arrive à attraper mon fil. Hop. 22 mailles encore. Donc, maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On tourne notre travail et on fait le rang numéro 12. Toujours 22 mailles. Donc, je suis sur l'envers du travail. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20, 21 et 22. Hop, je tourne mon travail. Je me retrouve sur l'endroit du travail. Hop, mon fil de démarrage qui est là. Donc, on est, vous voyez, le tricot se forme. On attaque le rang numéro 13. Une diminution.
Hop. Je fais une maille lisière, deux mailles ensemble à l'endroit. Je traverse les deux mailles et je les tricote ensemble. J'ai fait ma diminution. Je tricote tout le rang à l'endroit. Voilà, je tourne mon travail. Je suis sur l'envers du travail. On va faire le rang numéro 14, 15 et 16. On aura 21 mailles. On va tricoter 3 rangs. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? 3 rangs avec 21 mailles. Alors, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, j'ai bien 21 mailles. Je tourne mon travail, on fait le rang numéro 15. 21 mailles. Là, je suis sur l'endroit du travail. Et on est reparti. Je tourne mon travail. Je fais le rang numéro 16, 21, donc à l'envers. Enfin, c'est l'envers de mon travail. Donc 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ok? Je tourne mon travail. On attaque le rang numéro 17. Je suis sur l'endroit de mon travail. Le rang numéro 17, je fais une diminution. Oh, hop. Il est où passé où mon fil? Décidément, je tape dans tout. Mon téléphone est tellement bas que, au final, pour faire un gros plan, et je tape à chaque fois dedans. Je suis désolée. Donc, on a dit rang numéro 17. Donc, une maille lisière. Ici, une, deux mailles ensemble. Donc, on les traverse et on les tricote ensemble. J'ai fait ma diminution. Bah, décidément. Donc, 3, on tricote tout le rang. Je sais pas si je vais passer l'hiver, moi, parce qu'on est qu'au mois de septembre. Et je suis déjà mal en point. Voyons. Vivement le printemps. Hein. Hop, je tourne mon travail. Zoup.
une fois que j'ai tourné mon travail. Donc on fait le rang 18, 19 et 20. Et donc on est censé avoir 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est le rang 18. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc j'ai bien mes 20 mailles. Je tourne mon travail, le rang numéro 19. Donc toujours 20 mailles. Rang numéro 19, toujours 20 mailles. Hop. Je tourne mon travail. Le rang 21, 20. 19, 20, je continue à tricoter mes 20 mailles, donc je suis sur l'envers du travail, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc j'ai toujours mes 20 mailles. Ok. Je tourne mon travail. Je me retrouve sur l'avant du travail. Le rang numéro 21. On fait une diminution. Ça sera la dernière. Alléluia. Donc une maille lisière. Deux mailles ensemble. Ok, j'ai pris un bout de fil qui ne m'appartient pas. Pas de toi. Voilà. Donc j'ai fait ma diminution. Je tricote tout le rang. Remis toute la laine. Et du coup, je tourne mon travail et le rang numéro 22, qui est le dernier rang, enfin pour ma part en bleu, au point mousse, on doit avoir rang 22, 19 mailles, qui doit vous rester 19 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On a bien 19 mailles. Tourne notre travail et normalement vous êtes comme tout à l'heure le même nombre de centimètres. Hop, soupe 0. Je sais pas si vous voyez. Ah, je vais essayer de tout prendre, mais on va pas être facile. Hop. Sans trop tirer dessus non plus, parce que le but c'est pas de tirer dessus. 32 cm. Je sais pas si vous voyez.
J'ai toujours mes 32 cm comme tout à l'heure. 32 cm de hauteur. OK? Si, comme tout à l'heure, vous n'avez pas assez de hauteur pour les 32 cm, vous continuez à tricoter un rang, voire deux rangs, voire trois ou quatre rangs, parce qu'il y a des gens qui tricotent assez serré. Donc, vous continuez un petit peu jusqu'à obtenir les 32 cm de hauteur totale. Et là, on passe aux côtes 1-1 jusqu'à obtenir. Donc, je ne vais pas le refaire. On refait ce qu'on a fait ici. Donc, on reprend les aiguilles numéro 4. Je suis en train de regarder où elles sont. Je ne les ai pas sous la main. Pourquoi ? Pourquoi elles ont disparu. Je les ai retrouvées. Alors ici, pour ma part. Maintenant, c'est mes ciseaux. C'est pas possible. Hein. Alléluia. C'est pas les mêmes que d'habitude. Je sais pas ce que j'en ai fait encore. Hop. Passe en gris. Joup. Ma pelote de laine, elle est là. Donc je passe au gris en aiguille numéro 4. Et je vous donne dans le mille. Elles étaient où? Par terre. Ouh. Je vais finir par m'installer par terre, ce sera plus simple. Hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, ça me fatigue. Hop. Donc une fois qu'on a hop, nos 32 cm de hauteur, on va, donc que je me trompe pas d'aiguille, hop, les aiguilles numéro 4, je ne sais pas si vous voyez, et on va tricoter. En côte 1-1, donc je fais le démarrage avec vous, hop, donc une maille à l'endroit, mon fil bleu il est où, que je tire dessus un peu, hop, donc première maille à l'endroit, ok, oui c'est bien ce qui me semblait. Alors, une maille, hop, je vois rien de ce que je fais là, hop. Donc j'ai dit une maille à l'endroit, ok. Ici, une maille à l'envers, ok. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si je mettais plus haut, je verrais peut-être mieux. Donc à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et je finis par une maille à l'endroit. Ok, donc on reprend exactement comme tout à l'heure. Donc là, je vais pas tout refaire avec vous. Hein. Vous reprenez. Ici, donc on obtient au final du bas ici, enfin du démarrage ici, jusqu'à la dernière rangée que vous allez faire, on doit obtenir 36 cm. Et une fois que vous avez les 36 cm de hauteur du pantalon, on rabat toutes, on va rabattre toutes les mailles. Et c'est fini. Et on passe à la couture. À tout de suite. Alors, je suis partie dans la lancée et je vous ai un peu zappé. Alors, j'ai fait la couture jusqu'en bas. Voilà. J'ai repris, donc là, c'était le fil d'en haut. J'ai cousu jusqu'en bas. J'ai repris le fil qui était à l'intérieur pour coudre l'entrejambe. Et je suis arrivée là.
Et je me suis dit, mais c'est bien, tu fais la couture, mais tu ne filmes pas. Et pas bien, et pas bien, et pas bien. Hop. Donc, du coup, pour le point mousse, je prends la petite boule en face, la petite boule en face, et ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'au... Et je tire au fur et à mesure sur mon fil. Hop. Tout simplement. Alors, faire bien attention qu'on est bien synchro au niveau de la longueur ici, hein. Parce qu'il faut bien que ici on soit bien face à face et là aussi. Donc, faites bien attention à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de décalage. Et ma dernière ici. Ici, hop, je reprends là. Je tire sur mon fil. Donc le gris est là. Ici, j'ai les V. Ici, j'ai un V. J'ai un V ici, j'ai un V là. Hop, j'ai le V ici et j'ai le V là. Zoup, hop. J'ai le V ici. Ça, c'est les mailles lisières que j'avais fait. Je suis plus dans le champ. Hop, donc un V ici, un V là. Donc je tire un peu et j'arrive ici au bout. Donc je passe dans le V d'en haut et je passe dans le V de l'autre côté pour fermer le tout. Je tire un peu, pas trop parce que le but, faut pas froncer. Une fois que je suis comme ça, hop, je fais un nœud avec le fil qui était là à côté. Et je vais venir cacher le fil dans la couture, tout simplement. Hop. Et je fais un nœud. Hop. Pour bien. Voilà. Je coupe mon fil et je vais cacher mon autre fil qui est ici de la même façon. Hop. Et je reprends
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors c'est vous qui voyez. Soit vous prenez le fil, hop, ça c'est le fil d'en bas. Soit vous reprenez le fil d'en haut, vous commencez la couture en haut, vous tricotez, enfin vous allez coudre jusqu'en bas, ou vous prenez le fil du bas pour aller jusqu'en haut. Suivant où vous avez laissé votre fil, comme celui-là est déjà défait, du coup, je vais le prendre et je vais coudre pour aller jusqu'en haut. Donc là, je reprends le V, je mets bien bout à bout, je repique dans le V ici. Hop, et je serre. Ici, je prends le V qui est là et je viens chercher l'autre V en face. J'ai le V là et je viens chercher le deuxième V ici. Hop. Bien attention que on est bien face à face. Ici, on arrive au point mousse, donc je prends la petite boule ici. Avec la petite boule d'en face. Et je réunis les deux. Hop. Et je continue. Petite boule d'ici. Petite boule en face. Petite boule ici. Petite boule en face. Petite boule ici. Petite boule en face. Et je fais comme ça jusqu'en haut. Hop. Après, si vous avez d'autres méthodes de couture, n'hésitez pas, en fait, à votre guise, comme vous avez l'habitude de faire. Après, moi, je vais jusqu'au bout pour vous montrer, comment je fais. Après, tout le monde a ses techniques. Il y a plusieurs techniques de couture, il y a plusieurs techniques de tricot. Il y a des droitières, il y a des gauchères. Enfin, voilà, c'est. Faut tricoter de la façon où vous vous sentez bien. La meilleure. Meilleure position, meilleur maintien des aiguilles. Le but, c'est de se faire plaisir, hein, tout en prenant du plaisir. Voilà. Bon, c'est vrai que le tricot, des fois, ça fait travailler nos petits neurones, hein, calculer, bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Toujours à noter, toujours à compter. Donc c'est vrai que c'est un passe-temps qui nous demande beaucoup de temps, au final. Mais qu'est-ce que ça fait trop du bien de se vider la tête, de penser à autre chose. Moi en tout cas, ça me fait libérer mes petits neurones, en penser à autre chose que les tracas du quotidien, les problèmes sur la route. Ça me permet de me détendre et de penser à autre chose, libérer
Libérer le négatif pour récupérer que du positif. Voilà. C'est un peu une thérapie pour moi, le tricot. Ça me permet de me vider la tête et de penser à rien. Juste penser à vous, en fait. Parce qu'au final, chaque fois que je démarre un tricot, je dis, ah, tu pourrais faire une vidéo. Alors, des fois, c'est pas. J'ai pas forcément tout avec moi. Alors, j'essaye de me dépatouiller comme je peux. Hein. Mais oui, c'est une partie de détente pour moi. Puis le fait de savoir que vous êtes ravie, satisfaite de votre travail, que vous avez réussi, que je vous ai donné envie de tricoter, que vous vous sentez bien et que vous vous sentez aussi progresser, hein, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc, je continuerai quand je peux, dès que je peux, parce que c'est pas tout le temps facile non plus avec mon travail à côté qui me prend beaucoup de temps aussi. Donc, je suis où je suis là. Voilà. Donc je suis au gris ici. Voilà. Alors du coup, je reprends un V et un V. Un V et un V. Un V, un V. Un V, un V. En haut. En haut. Alors ici. Hop. Repliquer à l'intérieur. Bon, pour une fois que je fais la couture entière avec vous. Final, ça permet de papoter, hop, un petit peu. Ça, je fais un nœud, hop, un deuxième nœud, et je vais faire comme tout à l'heure, hop, venir cacher le fil dans la couture, tout simplement. Hop. Et je vais faire un petit nœud. Si je veux bien. Hop. Et je coupe mon deuxième fil qui est ici. Du coup, okay. J'ai encore laissé trop de fil de partout. Vaut mieux avoir du fil de partout que pas du tout. On a le choix de pour la couture si on commence par en haut, par en bas, comme on le souhaite. Mon fil est caché. Et voilà.
Voilà le petit pantalon. Alors, pour ce pantalon-là, donc c'est soit vous laissez la longueur, voilà, comme c'est pour un nouveau-né, moi du coup j'avais prévu de faire un petit pli comme ça. Puis quand il va grandir, bah du coup il va pouvoir profiter aussi un petit peu plus, un peu de son pantalon. Parce que généralement ils ont quand même des jambes un peu repliées. En haut, c'est pareil. Donc la ceinture, je l'ai fait assez haute. Donc vous pouvez, voilà, la descendre assez basse. Ce qui permet de faire, voilà, un peu moins. Hop. Voilà. Donc la ceinture, soit vous la défaites, vous la mettez entière ou vous la pliez. Les petites jambes, c'est pareil. Donc voilà. J'espère que donc vous voyez le résultat que ça donne. Hein. Soit vous dépliez. Hein. Hop. Et la ceinture, pareil. Hein. Du coup, il fait très grand. Donc comme ça, bébé peut en profiter aussi un peu. Voilà. Petit pantalon. Voilà. Ici, pareil. Comme ça, on est bien. Voilà. Donc, du coup, le pantalon est là. Donc voilà. J'espère que le tricot, le tuto vous aura plu. Donc je répète, c'est un pantalon de naissance qui va avec hop, la brassière. C'est pour faire un ensemble en fait. Donc la brassière simple. Pour ça que j'ai fait le petit rappel du gris qui va avec la brassière. Donc un joli petit ensemble. Et je vais avec cet ensemble-là faire un bonnet. Donc toujours au point mousse. Donc toujours en taille naissance pour compléter l'ensemble. Donc il y aura le bonnet et je vais faire des chaussons. Et je vais jouer bah, comme avec le pantalon gris et bleu pour faire un petit rappel. Et le bonnet, je vais sûrement le faire comme j'ai fait la brassière tout gris. Je vais faire le bonnet tout bleu. Donc ça fera bleu, gris, hein. Gris, bleu, hein. Et puis gris, bleu aussi pour les chaussons. Donc voilà. Donc ça, c'est la fameuse brassière que vous avez déjà en vidéo sur la chaîne. Et là, c'est le petit pantalon qui va avec. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.